Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fabien Truong, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à Effraction. Alors, comme le titre de la rencontre l'indique, celui qu'on accueille est évidemment le sociologue. Vous êtes connu pour ça, pour un parcours depuis longtemps en tant que sociologue et ethnologue qui vous êtes intéressé notamment à la jeunesse, en tout cas, et notamment à la jeunesse dite, avec des guillemets que vous prenez soin d'utiliser, de banlieue, dans divers livres dont Jeunesse française, qui vient d'être réédité en poche à La Découverte, je crois, et qui est disponible sur la table à côté. Mais ce qui nous intéresse en premier lieu aujourd'hui, Fabien, c'est la taille des arbres. Hein, donc c'est une rencontre consacrée à la botanique. Non, La taille des arbres, c'est le titre un peu mystérieux, d'ailleurs, vous allez nous en parler, de votre premier livre de littérature, hein, non scientifique, donc pas de sciences humaines, pas dans votre discipline habituelle, un livre qui se revendique de littérature, dans une collection de littérature chez Rivage, de littérature française, et qui effectivement l'est littéraire, même si on y retrouve évidemment vos centres d'intérêt, vos préoccupations, et puisqu'il part de ce réel-là et de ce qui aurait pu être un terrain en sociologie et donc d'une expérience vécue, c'est à ce premier chef-là qu'il nous intéressait naturellement dans le festival Effraction, c'est-à-dire littérature du réel. Donc qu'est-ce qu'on fait d'une expérience vécue et qu'est-ce qu'on fait de plusieurs expériences vécues, c'est-à-dire que le livre met en parallèle deux voyages qui eux-mêmes résonnent sur des questions identitaire, même si le mot, hein, on veillera justement sans doute à le travailler et à le corriger, mais des questions d'identité, des questions d'origine et des questions de parcours qui sont les vôtres et ceux des jeunes que vous accompagnez. Mais la meilleure manière d'entrer dedans, puisque le parti pris c'est de littérature, vous avez gentiment accepté, je vous en remercie, d'entrer par le texte. Puisque c'est ça en tout premier lieu qui va différencier ce livre de vos autres travaux, c'est le texte et la manière de le mener. Et par ailleurs, il y a quelque chose à entendre, je pense. Donc, vous avez accepté de nous lire et je vous propose d'entrer dans votre travail et dans une première question certainement un peu contextuelle par le début de La taille des arbres. Merci Fabien. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Donc on va, je vais commencer par lire le début du livre, et puis voilà, vous m'arrêterez quand ce sera le moment de s'arrêter. C'est l'histoire de deux voyages qui n'auraient jamais dû exister. Saint-Denis est un point d'arrivée, un vieux bruit de fond murmure que c'est un terminus. Et pourtant, Saint-Denis fut notre point de départ. Longtemps, j'ai cru que le chemin avait démarré entre les murs d'un bâtiment gris au lycée Paul-Éluard, dans une salle d'histoire-géographie. Juste au-dessus de la vie scolaire, là où Clarence Albertini gère, entre trois rendez-vous, le flux des absences injustifiées et la rotation des punitions. Je me rappelle le crépi violacé, l'odeur de la sueur, le timbre professoral de Pierrot et la marque des survêtements. Adidas, Hermès, Nike. Mais les souvenirs trop précis empêchent de se remémorer. Ils obscurcissent les coordonnées de l'épicentre. Notre orbite vient de plus loin. Rembobiner les siècles, revenir à l'époque des terrains vagues, commencer par le temps où Saint-Denis charbonnait. L'ambiance était champêtre, l'atmosphère ouvrière, la vibration industrielle. Notre bâtiment gris n'était pas encore érigé là, même pas en rêve. Le baccalauréat était une patente en fer forgé destinée aux enfants sages de la bourgeoisie triomphante. Les lycées siégeaient à Paris et la banlieue besogneuse ne s'en portait pas plus mal. Saint-Denis envoyait quelques exceptions ambulantes, des petits boursiers qui deviendraient grands et qui, comme Paul, représentaient ceux qui étaient restés à quai. Papa vendait des appartements et avait les idées socialistes, maman reprisait les robes et rapiéçait, Paul portait le mérite en culotte courte. Puis il se mit à cracher ses poumons comme pas possible. Le sanatorium remplaça l'école et la tuberculose sema le doute. L'infection tomba tel un verdict, trop faible pour jouer les porte-drapeaux. En ce temps-là, l'idée même de notre lycée était inconcevable. Elle n'avait rien d'une hypothèse. Pourtant, Saint-Denis s'apprêtait à enfanter le tout premier lycée de la périphérie, et c'est bien le nom du petit Paul qui trône aujourd'hui sur le fronton de notre camp de base, en lettres capitales. Notre bâtiment allait inaugurer une longue liste de bêtes curieuses. Jean Moulin, Louise Michel, Auguste Blanqui, Alfred Nobel, Germaine Tillon. Paris se retrouverait bientôt encerclé par la masse des zones sensibles et perdrait son monopole sur le Bachot.
Petit Paul ne pouvait pas imaginer la cascade des événements. Il poussait en silence, son cœur battait la chamade. Le gabin noircissait du papier, lisait des imprimés, oubliait la maladie. À l'orée de la Première Guerre mondiale, la poésie pouvait encore s'apparenter à un destin. Après un bref enlisement dans la boue des tranchées, elle deviendrait un horizon. Paul avait servi la nation en blouse blanche à l'arrière du front. Il avait veillé sur les mourants et les estropiés jusqu'à ce que ses bronches finissent par le lâcher. On l'avait rapatrié, mais il avait porté trop de brancards inutiles. Il débordait de colère et cherchait la lumière. Des vers, des rythmes, le fracas d'une signature. Paul Éluard était né comme ça, à l'ombre des obus et des jeunes filles en fleurs. Et Paul Éluard rêvait de phrases incandescentes, d'amour à jamais, d'absurdité communiste. Il est aujourd'hui un point de fixation, une vague idée plantée dans le dur du béton. Aller à Paul Éluard, travailler à Paul Éluard, bavarder à Paul Éluard, aimer à Paul Éluard, se battre à Paul Éluard, inspirer à Paul Éluard, y expirer. Et puis, un beau jour, partir. La première fois, c'était il y a 6 ans, une vingtaine d'élèves s'envolent pour la Nouvelle-Calédonie, des filles et des garçons en filière générale, semés d'avoir le bac avec mention si possible. Et puis, il y a 4 ans, c'est tout au fond du lycée que ça se passe, du côté du grand atelier, entre mecs, là où l'on dissèque les matériaux à la découpe et où la voie technologique prend des allures d'option obligatoire. Cap sur le Vietnam, cette fois-ci. Merci. Il y a une phrase au tout début que je veux garder pour plus tard et qu'au fil de la discussion, on pourrait oublier. C'est le « Longtemps, j'ai cru que le chemin avait démarré entre les murs d'un bâtiment gris ». Donc ça, ça veut dire que le chemin a démarré avant, mais on s'en rendra compte en cours du livre qui a eu le voyage s'avère avoir une fonction initiatique. Mais partons par le début, par ce point de départ-là, ce qui est appelé un socle Saint-Denis où qu'on ne quitte pas. Enfin, on a l'impression voilà, de quelque chose de... Il faut en partir. Quels sont ces deux voyages dans le réel relaté, puisque là, hop, ça file vachement vite. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites là On comprend que vous êtes dans un lycée, a priori, mais voilà, ça fuse, ça passe assez vite. Donc, relatez-le-nous de façon descriptive. À ce moment-là, vous faites quoi? Quels sont ces deux voyages? Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, des années après, quand même quelques années, c'est un peu décanté, pourquoi raconter ces deux voyages différents au sein du même livre et selon cette organisation qui est que, j'avance un peu dessus, on n'a pas un voyage puis l'autre, mais sans arrêt un bout d'un voyage puis un bout de l'autre. Voilà, donc deux questions dans l'une. de quoi parler un moment, je pense, mais c'est nécessaire pour démarrer. Alors oui, alors la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé Alors qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu la chance en fait d'être invité en tant que sociologue par un prof d'histoire géo. Alors là, je suis déjà dans le texte parce que dans le texte, il va devenir Pierrot, qui est un prof exceptionnel qui organise chaque année un voyage à l'autre bout du monde avec ses élèves de Saint-Denis et là en l'occurrence du lycée Paul Éluard dont on a un petit peu entendu comme ça quelques résonances. Et donc chaque année Pierrot part très loin avec ses élèves, donc des élèves différents chaque année. Et alors pourquoi ces voyages là il y a beaucoup de raisons. Il y a une raison pédagogique qui est le décentrement, d'aller voir, de sortir de la ville, du quartier. Mais il y a aussi, c'est des voyages qu'il ne choisit pas au hasard, ce sont des voyages où il y a eu, c'était des terres de conflits, où il y a eu, pour le dire très très vite, des conflits. Et donc l'idée, c'est aussi de voir, en y allant, en se frottant à la réalité, comment des gens ont habité des territoires différents qui peuvent parfois être le même pays avec des gros désaccords et des guerres et des morts, etc. Et comment on arrive quand même malgré tout à vivre, à vivre ensemble. Alors c'est une expression qui a été un peu galvaudée, mais il y a un petit peu cette idée-là. Et notamment d'aller très souvent dans des pays où il y a une histoire aussi coloniale, parce qu'on ne peut pas parler de conflit sans penser ces questions-là d'un point de vue historique. Donc Pierrot, dans le texte, chaque année, depuis plus d'une dizaine d'années, fait ses voyages un petit peu extraordinaires, au sens vraiment littéral du terme, parce qu'on est vraiment en dehors de l'ordinarité du quotidien, de qu'est-ce que c'est être au lycée Paul Éluard à Saint-Denis.
Et puis, il m'avait invité, justement, parce qu'il connaissait mon travail de sociologue, il avait lu mes ouvrages, qu'il reconnaissait des choses, et il m'avait invité un petit peu, c'était une invitation libre, mais l'idée, c'était que je sois présent. Alors, en tant que sociologue, pour observer, notifier, regarder, enfin juste être là. Et donc il n'y avait pas de commande explicite, mais l'idée c'était de voilà que je témoigne de ça. Et du coup je vais arriver à votre question, à la deuxième question. J'imaginais que l'idée c'était d'écrire un livre, d'écrire voilà sur ce qu'on allait vivre ensemble. Et puis j'étais un petit peu j'ai eu du mal à écrire assez vite en fait. Au départ je pensais que j'allais vivre ces voyages et puis écrire assez vite, un petit peu comme on pourrait faire un récit de voyage, etc. Et en même temps, j'étais un petit peu justement sur la question de la forme. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des enquêtes ethnographiques et des enquêtes plutôt longues. Hein, c'est-à-dire, quand je dis plutôt longues, c'est mes livres d'ethnographie, ça se compte en années. Hein, c'est 5, 6, 7 ans, c'est des enquêtes longues. Alors, je ne vais pas trop en parler, mais pour moi, il y a vraiment un intérêt quand on fait de l'ethnographie d'être dans la longueur, dans la lenteur, parce qu'en fait, on peut observer des processus sociaux, des transformations, des changements qui sont qui posent d'ailleurs toujours des défis à la sociologie. La sociologie, c'est un petit peu la science des régularités. Or, s'il y a bien des régularités sociales, c'est aussi parce qu'il y a tout le temps du mouvement et des transformations. Et moi, je trouve que l'ethnographie, comme technique d'enquête, elle permet, en fait, quand on prend le temps, d'observer, de penser tout ça. Et là, quelque part, c'était un peu presque l'inverse de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, c'était des voyages assez courts, hein, c'est-à-dire de l'ordre de deux grosses semaines. Donc ça se compte en semaines. Mais en même temps, pas moins fort comme expérience, très intense, partir à l'autre bout du monde. Et puis là, on pourra parler du titre aussi. C'était d'être perdu aussi dans la jungle avec les Paul Éluard, puisque les Paul Éluard, ça devient un petit peu un groupe et une communauté dans le texte. Ben, c'était très intense, mais très court. Et du coup, j'étais un petit peu, l'écriture ethnographique telle que je la pratique me paraissait pas adaptée. Enfin, ça, je vous dis ça maintenant. Hein, je reconstruis, mais c'était pas très clair en fait hein, quand je sors de ces voyages. Donc, je sais pas trop quoi faire. Comme je sais pas trop quoi faire, le temps passe après le premier voyage. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu, le premier voyage, c'est en Nouvelle-Calédonie. Pierrot me dit repars avec nous, et cette fois-ci le Vietnam. Et là, c'était encore une deuxième invitation que je ne pouvais pas refuser, puisque vous l'avez peut-être compris, avec mon patronyme, mon papa est vietnamien, j'ai toute une histoire en fait personnelle avec ce pays, qui est liée aussi à l'enfance, qui est liée à mon adolescence. Et du coup, là, les choses devenaient encore plus intenses parce qu'elles devenaient personnelles. Et quand on fait de l'ethnographie, alors c'est très personnel hein, quand on fait de l'ethnographie, puisque vous donnez beaucoup de vous-même sur le terrain. Mais l'idée, c'est que vous êtes quand même beaucoup plus sur autrui que sur vous-même. Et là, c'était pas pareil. Hein. Et comme je l'avais dit aux garçons, hein, vous l'avez peut-être entendu, le deuxième voyage, c'est un voyage qui se fait entre mecs, parce que c'est l'option techno. Voilà, avant de partir, je leur avais dit une seule chose, je leur avais dit ça risque de remuer des choses que je ne vais pas maîtriser, des choses que vous connaissez aussi quand vous-même vous allez au bled, hein, parce que c'est les élèves de Paul Éluard, c'est des élèves qui ont pratiquement tous et toutes une histoire liée à l'immigration, les trois choses. Et donc là, ça devenait très personnel et j'allais moi-même ressentir des choses que parfois peuvent ressentir l'été et qui travaillent forcément. Et donc là, vous voyez, deuxième voyage, deuxième salve, ça m'appelait encore plus en fait à réfléchir à l'objet, à la façon de d'écrire là-dessus. Et puis, ça c'était surprenant, c'est que ces deux voyages ont résonné aussi très fortement. Alors, ces deux
territoire, pays, on peut... la Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué, hein, parce que c'est, techniquement, c'est encore français, et en même temps, comme on le découvre dans le livre, bah, c'est très composite. Hein. Il y a les Kanaks, mais les Kanaks, ça ne veut rien dire. Il y a plus de 300 tribus, avec un langage aussi différent. Les Caldoches, et les Caldoches, c'est aussi une constellation qui est liée aussi à l'histoire de la migration, etc. Et donc, mais il y avait beaucoup de résonance entre ces deux voyages, et j'ai peu à peu pris conscience, enfin en tout cas ça c'est, je le dis comme ça après coup, que la vérité de ces deux expériences, elle allait se, c'était dans la langue en fait, dans l'expérience de la langue, du rythme et des émotions aussi qu'on fait ressortir. Et puis en fait au fond, pour moi, c'est un livre qui parle de correspondance. Et là, je vous parle des voyages, mais il faudrait parler aussi des arbres, du rapport au ciel, à la terre, enfin, à toutes ces choses qu'on a foulées physiquement. Et en fait, la vérité de ces semaines très intenses, c'était une vérité physique, une vérité sensible. Et c'est un autre chemin d'appréhension du réel. Ou de la vérité, qui est pas du tout le chemin en fait que le chemin d'une enquête en sciences sociales. Et c'est un chemin qui est d'une certaine manière beaucoup plus lié aussi à ce qu'on a appris dans les tribus Kanak, puisqu'on a habité en fait dans deux villages, mais aussi dans le delta du Mékong, c'est-à-dire une façon d'avancer beaucoup plus circulaire en fait, beaucoup moins droite. Voilà, quand vous faites une enquête en sciences sociales, mais aussi voilà, dans l'hexagone, on regarde les choses de manière plus linéaire, probablement. Et voilà, c'est tout ça qui m'a en fait, voilà, la réalité de l'expérience, elle se jouait en fait beaucoup voilà, dans la langue, dans le jeu avec la langue, que ce soit le rythme, le vocabulaire, mais les correspondances, et puis aussi sur l'ambiguïté en fait de la langue, et même d'une certaine manière dans ce texte là mais bon, vous êtes mieux placé que moi pour dire ça, il fallait trouver une langue particulière qui correspondait aux émotions qu'on avait vécues et qu'on avait partagées. Alors tout communique, tout fait lien. Comme je l'ai dit, le texte est assez court et vous l'avez entendu dans un phrasé assez rapide, en phrase courte, avec des enchaînements, avec de l'ellipse. Ça bouge, ça va vite. Donc on peut, voilà, il y a des choses qui peuvent passer devant vous et il faut y revenir ensuite. C'est très volontairement une sorte de texte à la fois compact et rapide. Mais pour simplifier, même si vous êtes ensemble et que ce lien-là et ces relations constituent un des nœuds, hein, de l'affaire. Pour simplifier, vous posez des questions, il y a vous et il y a eux. Il y a vous qui va être absolument troublé par le voyage au Vietnam, notamment, d'une façon intime, on y viendra. Mais je vais commencer par eux et par quelque chose que vous avez lu tout à l'heure et dont vous avez commencé à parler, pour partir d'un petit exemple de quelque chose qui est très présent dans le texte. Mais les Paul Éluard, alors en plus, il y avait une biographie rapide de Paul Éluard lui-même tout à l'heure, le mot il passe en minuscule en italique et ça devient un générique pour les désigner. Et j'y réfléchissais en vous écoutant, ça, c'est une compaction, c'est une trouvaille de langage qui à la fois solutionne des choses et pose d'autres questions, qui est très intéressante en elle-même. Et c'est en ce sens-là que la littérature, elle fonctionne très différemment de l'écriture des sciences humaines. C'est-à-dire que si on regarde les choses sous un certain angle, ce serait les réduire à une nouvelle identité, enfin faire un collectif, mais qui serait les réduire. Et en même temps, ça, c'est aussi rehausser, si j'ose dire, leur identité collective d'origine, à savoir des gamins de lycée technique, par exemple, en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire, ils arrivent là avec autre chose à porter. Et puis, c'est un travail de langue. C'est-à-dire, ça passe par une réduction du langage, par un travail de poétique à cet endroit-là. Il y a une idée langagière qui résout quelque chose intellectuellement et qui permet d'aller à la fois plus vite, en tout cas plus vite qu'en sciences humaines, ce serait une faute, on va dire, dans la discipline, mais différemment, de faire comprendre les choses différemment par un fait littéraire. Oui, bah, j'ai l'impression que vous avez presque tout dit, mais peut-être je rajouterais aussi dans cette question de la langue, la question de la polyphonie, en fait. Parce que
J'utilise beaucoup la première personne du singulier. Il y a beaucoup de je, en fait, dans le texte. Mais à travers le je, ce n'est pas que moi qui parle. En fait, c'est tous les polluards, le groupe. Donc, il y a évidemment une dimension de groupe parce que déjà, il y a une assignation hein, quand vous êtes lycéen, polluard, assigné, etc. Mais il y a aussi, là, je vais faire le sociologue, mais des propriétés objectives, en fait, qui fait que le groupe partage des traits communs, des caractéristiques communes. Il y a aussi le fait que nous sommes perçus, et là, je dis nous, comme groupe, nous étions la délégation en Nouvelle-Calédonie, la délégation au Vietnam, et avec des effets de renversement on parlait d'assignation ou d'identité qui... Le simple fait du déplacement en fait bouge beaucoup de choses. Je commence par une petite anecdote, mais au début du voyage, quand on est dans l'avion, il y a un petit peu un air dans l'avion, que l'on aille au Vietnam ou en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, dans l'esprit des Paul Éluard, quand on va en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt l'idée d'aller en Kanaky. Pas exactement la même chose, mais il y a un petit air dans l'avion qui est de dire bon bah voilà. Nous sommes des dominés et nous allons aller chez les dominés et voilà, on est entre colonisés entre guillemets ou et parce que ça renvoie à des choses voilà qu'on vit en fait dans sa chair et donc il y a cette terre là en fait qui est très très présent et qui on le sent dès les premières pages comme s'il y avait une connivence liée à une forme de compréhension très rapide de ce que c'est que voilà la France, l'histoire coloniale, etc. Et ça tombe. Et c'est pour ça que c'est physique et qu'il y a vraiment une dimension de sensibilité, de sensible. Ça tombe, mais tout de suite. Alors pourquoi ça tombe tout de suite ? Ça tombe déjà dès qu'on sort de l'avion. Dès qu'on sort de l'avion, alors bon, je vais prendre l'exemple du Vietnam par exemple. La chaleur, l'humidité, etc. Les Paul-Éluard, étouffés, attaqués, agressés. Alors, et c'est physique hein, quand je dis agressé, c'est pas une théorie de l'agression, mais on voit par exemple Farad, comment il sue à grosses gouttes, et il regrette le climat hexagonal. Et moi, à l'inverse, et là ça provoque aussi d'autres choses, là c'est la mélanine qui parle. Moi je me sens chez moi, là, d'un seul coup, c'était très étrange comme sentiment, mais je suis chez moi et c'est physique. Et là, déjà, il y a des choses qui se bousculent. Alors, en Nouvelle-Calédonie, ça passe aussi par la façon dont on est perçu. Parce que justement, les questions d'assignation, elles passent en fait beaucoup par les questions de perception. Les jeunes qui sont en Seine-Saint-Denis, la problématique, c'est pas qu'ils se sentent pas français. Enfin, ça, c'est une problématique qui est projeté de l'extérieur, comme le dit Youssef à un moment donné. Alors ça, c'est dans un autre bouquin, dans une enquête ethnographique, mais il me dit notre problème, c'est pas qu'on n'est pas français, c'est qu'on n'est pas français-français. Ça veut dire quoi? C'est qu'on n'est pas perçu comme français par d'autres personnes qui se sentent plus français que nous. Et là, inverse, on arrive en Nouvelle-Calédonie. Et alors on était dans notre petit bus, et puis on était la délégation, et c'était la délégation hexagonale. Et nous étions, et d'ailleurs, côté Caldoche, côté Kanak, à chaque fois que nous étions reçus, et la question de la réception en Nouvelle-Calédonie, elle est très très forte, enfin j'ai pas le temps de développer, mais il y a quelque chose qui s'appelle la coutume, notamment dans les tribus Kanak, où c'est vraiment une façon de se présenter, d'être reçu, et qui passe par la langue. C'est aussi pour ça que j'avais besoin, pour faire ressentir le rythme de la coutume, la question des mots, du choix, de leur accélération ou de leur décélération. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris au contact des tribus Kanak, hein, qui prennent un temps qu'on ne prend plus en fait pour parler en fait et pour essayer d'établir les conditions d'une rencontre. Nous étions la France quoi, et nous étions reçus comme la France, avec plein de scènes, avec les petits fours de l'ambassadeur, etc. Et nous sommes la France. Et de fait, il y avait une fierté en fait à représenter l'Hexagone, la France. Et du coup, tout devient complexe. Complexe. C'est même pas le mot, parce qu'en fait, c'est pas une question de complexité, c'est une question d'ambivalence, de nuance. Et là, d'un seul coup, la délégation, non, nous ne sommes plus cette terre de colonisés. Il est beaucoup plus compliqué dès lors que on accepte que nous soyons les porte-parole du drapeau bleu, blanc, rouge, mais avec des choses aussi très très belles, aussi belles et simples que parce qu'en fait c'est très loin la Nouvelle-Calédonie. Hein, si vous regardez sur une map monde, il y a probablement c'est encore derrière l'Australie. Enfin, il n'y a pas beaucoup plus loin en avion, hein, vraiment.
Et on nous remerciait à chaque fois d'avoir fait l'effort d'être venu dans tel village. Mais parce que c'est rare, en fait. Des gens qui viennent de l'Hexagone, déjà, qui n'ont pas de lien avec la Nouvelle-Calédonie, c'est assez rare. Et une classe, vous pouvez imaginer encore plus. Donc c'était un moment qui était très rare et qui était à chaque fois teinté de solennité. C'est-à-dire la France, enfin l'Hexagone, est venu jusqu'à nous et merci d'être venu. On nous remerciait d'être venu. Donc là, vous voyez, forcément, les choses sont tout de suite déplacées et en fait, c'est le jeu avec la langue et les mots. Et je parlais de la polyphonie. Hein, ça permet de sortir aussi de ces assignations et dans le mot. Le jeu raconte beaucoup de choses aussi très différentes, c'est moi, ça peut être Sadio, Lison, Barthes, Pierrot, Clarence, enfin, toutes ces... Parce qu'aussi nos relations, elles se transforment pendant ces voyages, parce qu'on vit des choses intenses ensemble, et puis ces choses intenses, elles sont parfois aussi... Il y a des conflits, des choses qui se passent et qui font aussi qu'en tant que personne, on va exister en fait à travers ce voyage et la langue permet le travail sur la langue permettait de faire sentir ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en parlant de mémoire toujours collective et historique, il y a donc l'affaire de la grotte d'Ouvéa, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie en 1988, qui intervient d'une part assez tard dans le livre, donc pas du tout en son centre, hein, mais vraiment vers la fin, et qui est une destination hein, pour vous reciter ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on y va avec vous, presque péniblement, par étapes, on accède à l'information autant qu'au lieu, à une allure volontairement différée. On se doute bien qu'on va nous raconter d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, mais ça prend son temps par la parole et aussi par la marche. Oui, bah parce qu'en fait, ces événements d'Ouvéa qui sont terribles, on les connaissait un peu de manière abstraite. Et bon, voilà, cette idée des combats dans la jungle, pour le dire un peu vite, c'est peut-être un peu la seule idée qu'on peut en avoir. Et donc, forcément, quand on y arrive en arpentant et la jungle, mais aussi, en fait, parce que du coup, c'est très physique et sensible, c'est pas juste cette histoire de la grotte, c'est, en fait, on est avec les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire qu'on est dans le village d'Ouvéa, on est avec, notamment, Maki et Néné, qui sont les deux chefs de village, qui ont vécu ça aussi, mais du coup, il y a longtemps, qui ont perdu un frère, puisque leur frère a aussi assassiné Jean-Marie Tchibaou, et Jean-Marie Tchibaou, c'est pas juste une figure tutélaire, puisque avant d'aller au VA, on reste une semaine à Tendo, dans la montagne, juste à côté de la tribu de Jean-Marie Tchibaou. Et on est passé devant les fameuses carcasses de Guanyat, c'est-à-dire ce moment où voilà, une grande partie du village de Jean-Marie Tchibaou est mort avant que Tchibaou soit assassiné. Il a perdu deux frères. Mais ça, cette histoire-là, on l'a touché du doigt, en fait, littéralement. Et du coup, ça provoque pas la même chose. Et quand cette grotte, eh bien, on voit, en fait, physiquement, dans le regard et dans les mots, en fait, de nos hôtes, ce que ça a provoqué. Et puis, c'est aussi un petit peu... la version des vaincus d'une certaine manière aussi qui est très peu entendue, mais voyez, à une époque où tout va vite et on essaye de mettre des choses dans des cases, noir, blanc, bon, méchant, là c'est même quand je vous dis l'histoire des vaincus, j'aurais envie de me reprendre parce que c'est pas une histoire de vaincus et de vainqueurs. Par exemple, quand on est à Gossana, hein, dans le village avec Néné et Maki, il y a quelque chose qui est terrible avec leur frère qui est à la fois mort, mais qui est un assassin, et cette espèce de double peine qu'a vécu le village, qui est devenu, qui était martyr après la grotte, et puis un an après la grotte, quand l'un des frères du village assassine Jean-Marie Tchibaou et Yewene, c'est d'un seul coup, c'est le village qui a tué en fait le leader indépendantiste. Et donc tout ça s'entremêle en fait, mais nous donne accès à une forme de vérité, je crois, beaucoup plus sensible. Et puis c'est l'émotion aussi qui nous permet d'avoir une forme d'appréhension et de réflexion des choses, mais pas dans ce qu'elle peut avoir de comment dire de
de manipuler, de sensationnaliser, parce qu'on n'est pas à cet endroit-là. On est dans un endroit de... Enfin, j'ai bien aimé, parce que c'est ça, ce livre-là, c'est on chemine. Et cheminer, c'est se perdre un peu pour se retrouver. Et ce temps, en fait, dont vous parlez, qui est à la fois... c'est un temps d'accélération, hein, parce qu'en fait, on revisite l'histoire coloniale en, je sais pas, en 200 et quelques pages, donc c'est forcément, on va trop vite. C'est un temps où aussi, on se perd à ras du sol, et en se perdant à ras du sol, je pense qu'on va vraiment au-delà ou en deçà, ça dépend de ce qu'on cherche. Voilà, des discours idéologiques, et puis des discours politiques aussi. Ne pas oublier, il y a eux et il y a vous. C'est ce que je disais au début. Ne pas s'y perdre. Il y a l'autre voyage, hein, qui, dans le livre, c'est un millefeuille. On passe d'un voyage à l'autre. Et l'autre voyage, c'est au Vietnam. Alors, vous avez fait une allusion, vous avez des origines. Et là, plus consciemment, hein, vous leur dites, mais même... au cœur du livre, vous allez quelque part d'une façon décidée. C'est-à-dire qu'il y a des lieux à retrouver, de la mémoire à retrouver, du coup des mots à retrouver aussi, parce que, comme je l'ai entendu dans une interview, ça, il y avait beaucoup de silence sur cette histoire familiale. Et vous allez partir sur les traces d'un grand-père qui a écrit des livres, ce qui, par ailleurs, en termes symboliques, est également très fort. Enfin... Comme contrepoint aussi. Donc racontez-nous un petit peu ça par rapport à... Enfin, je pense que dans beaucoup de la production contemporaine, cette simple histoire-là, ce serait le cœur du livre, et puis voilà, un récit intime, et ça suffirait. Et quelque chose d'aussi important, d'une part, vous le mettez en jeu dans les circonstances qu'on a vues, donc vous l'avez déjà un peu dit, mais on voit bien les tensions que ça peut produire, et sans doute qu'elles vous intéressent en tant qu'auto-ethnographe. Mais vous choisissez au cœur du livre, hein, dans un espace petit, de le mêler à une histoire coloniale plus autre, plus compliquée, plus politique. Enfin, plus politique. Rien n'est plus politique, mais vous voyez qu'on connaît plus de l'extérieur, en tout cas pas personnellement. Donc voilà, un peu la même question qu'au début, c'est-à-dire nous raconter évidemment ce grand-père, les traces sur lesquelles vous parlez, et le choix qui me semble très très pertinent, mais également... parce que très réfléchi, de le faire dans cet espace-là, dans un opuscule, il y a aussi autre chose. Ce qui pourrait être une histoire de pudeur, mais je pense pas seulement, également de tension. Oui, vous avez donné l'impression que j'ai complètement tout réfléchi, etc. Alors que c'est, voilà, quand on écrit, aussi, on est porté par un élan. Et donc, alors, oui, la question du silence, alors, qui est en plus très propre aussi à la façon dont on vit la question de l'éducation au Vietnam, etc. Il y a beaucoup une forme de retenue qui fait qu'il y a des choses qu'on dit pas. Alors quand je dis qu'on ne dit pas, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, d'ailleurs, pour le coup. Et ça, je le dis aussi, hein, parce que moi, cette présence du Vietnam, elle est très forte dès mon enfance, puisque en fait les circonstances géopolitiques font que ma famille doit quitter le Vietnam, enfin du côté de mon père, et puis mes grands-parents côté paternel ont vécu en fait dans la maison familiale. Donc moi, en tant qu'enfant, j'ai toujours vécu avec mes grands-parents vietnamiens, enfin à part le grand-père qui meurt assez vite, mais ce voyage-là va être l'occasion de reconnecter avec l'image que j'en avais, puisque c'était une présence dans la maison très quotidienne, mais très silencieuse. Une photo, quelques souvenirs d'enfance. Mais ma grand-mère, elle a tout le temps été présente à la maison, et donc le Vietnam, pour moi, ça passait par pas du tout par les mots, mais par la bouffe. Donc c'était vraiment, c'est physique, c'était je mangeais vietnamien tous les jours, donc c'est les odeurs, c'est les senteurs. Du coup, ça passe aussi par la langue. Moi, je ne parle pas vietnamien, mais ma grand-mère priait en vietnamien tous les jours, elle cuisinait en vietnamien. J'ai des mots dans le livre, hein, je dis que les mots du Vietnam, pour moi, ce sont des mots odorants, en fait, parce que c'est
c'est cette physicalité qui était très... Donc tout ça, c'est très présent. Et en même temps, je ne connais rien, en fait, de pourquoi mon père, en fait... termine en Beauce et pourquoi j'ai grandi voilà, très loin de son pays. J'en ai une idée très imprécise, mais on n'a jamais mis vraiment des mots là-dessus. Et cette idée très imprécise, elle est aussi... derrière le silence, il y a de la violence, puisqu'en fait, voilà, ce sont des guerres terribles. Alors, et une violence qu'on va aussi toucher du doigt ensemble au Vietnam, puisque... sans trop dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais il y a, c'est un livre aussi qui parle, de, quand je parlais de physicalité, voilà, la question des conséquences de la guerre au Vietnam, elle est encore très présente avec le scandale de l'agent orange. Alors, je ne sais pas si on est assez peu au courant de ça, hein, en France et en Occident de manière générale, mais en gros, toute la dioxine, hein, qui a été déversée pendant la guerre, donc c'est, l'idée c'était en fait de brûler la forêt. Hein, donc bon, la taille des arbres, on pourra parler de la question des arbres est vraiment fondamentale, mais c'était comme on n'arrivait pas à mater le peuple vietnamien, il fallait faire place nette, donc il fallait éradiquer toute la forêt pour débusquer en fait les maquisards. Et donc ces quantités industrielles en fait, hein, de dioxine, elles sont encore dans le sol, elles sont encore dans la végétation. Et vous avez des centaines de milliers d'enfants qui naissent difformes, en fait, parce qu'en fait, tout ce qui est dans la terre passe dans le sang. Et c'est un scandale. Voilà, bon, là, je le dis comme ça, mais c'est quelque chose qu'on a vécu physiquement tous ensemble. Hein, mais c'est un scandale politique, hein, puisque de toute façon, il faut savoir que les soldats qui ont manipulé la dioxine aux États-Unis ont été indemnisés, c'est-à-dire que les firmes comme Monsanto, Dow Chemicals, il y a de grandes firmes américaines, ont reconnu leur responsabilité vis-à-vis des soldats américains, mais pas du tout vis-à-vis du peuple vietnamien et des enfants, etc. Et donc vous avez des centaines de milliers qui vivent, c'est même pas du handicap, hein, c'est vraiment le... On est sur autre chose et ça on l'a pris aussi en pleine face puisqu'on a voilà on a rencontré en fait l'agent orange en vrai entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi et donc l'horreur de la guerre on peut encore la voir et la sentir et puis moi je sais que je suis lié à tout ça sans trop pouvoir dénouer le fil et puis en fait je vais partir à la recherche un petit peu des traces de mon grand-père et en fait il se trouve que mon grand-père avait aussi la grande histoire entre guillemets puisque c'est quelqu'un qui a participé à des conférences de paix notamment à la conférence de Genève, à la conférence de Fontainebleau donc les deux sorties de guerre avec la France et les États-Unis et puis après je comprends que c'est les conséquences de la conférence de Genève qui fait que ma famille a dû quitter le nord du Vietnam pour aller au sud et puis ensuite partir en France. Donc tout se met progressivement en place, mais ça je vais le découvrir un petit peu dans le bus, à moto aussi, avec des Vietnamiens qui vont chercher pour moi, et notamment des livres qu'ont écrit mon grand-père, mais qu'on ne peut plus trouver, qui sont, je ne détaille pas toute cette quête. Et puis je termine avec un livre que je ne peux pas lire, parce que je ne lis pas le vietnamien, mais que je ne peux que sentir. Et du coup, j'essaye aussi de comprendre ce livre sans pouvoir le lire, et ça, voilà, donc ça nous renvoie aussi sur la question de la langue et puis et de vivre cette expérience aussi avec les Paul-Éluard, c'était aussi une façon de justement de parce que voilà les Paul-Éluard font du bruit c'était une façon aussi d'être obligé moi-même de mettre des mots et d'en parler et d'ailleurs quand on était en Vietnam c'était pour ça aussi que les voyages se répondent en fait. On avait, comme je l'écris, on avait importé en contrebande des restes de kanaki, c'est-à-dire que on faisait tous les soirs au Vietnam notre coutume à nous, c'est-à-dire on se posait en cercle et on parlait de ce qu'on avait vécu dans la journée et puis moi je devais parler, enfin je parlais beaucoup parce que je ressentais beaucoup de choses et d'en parler avec les Paul-Éluard tous les soirs,
ça m'a déplacé aussi, et je pense que ça m'a, voilà, ça fait partie de l'histoire en fait aussi du livre, et ce qui explique sans doute pourquoi c'est, voilà, c'était vraiment dans la langue qu'il fallait que j'arrive à trouver la vérité de ce qu'on avait partagé en fait. Ça déplace l'individu, est-ce que ça déplace aussi le chercheur par rapport à vos méthodes habituelles? Oui, bah, le chercheur était bloqué, hein, clairement. C'est-à-dire que, enfin, au départ, moi, j'avais fait ces voyages-là. Je pensais écrire. D'ailleurs, j'ai fait l'inverse en fait de ce que je fais quand je fais de l'ethnographie. Quand on fait de l'ethnographie, l'idée c'est qu'on enregistre. Enfin, voilà, on est un petit, comment dire, on collecte. Voilà, le vocabulaire, c'est collecter des matériaux. Hein, alors, ça fait un petit peu, comment dire, mais voilà, c'est ça, on collecte du matériel. Et puis après, de cette masse de matériaux, vous faites des choses, vous réfléchissez dessus. Moi, j'avais collecté du matériau aussi, mais quand j'ai voulu commencer à passer à l'écriture, c'était le matériel, tout ce que j'avais pu collecter, hein, toutes mes recherches, toutes mes notes, tous les jours, hein, j'avais mon petit carnet, je notais, c'était bloquant en fait, ça m'empêchait d'écrire et d'aller justement vers ce que le chercheur aurait fait, c'est-à-dire essayer de resituer les choses dans leur effectuation, et donc en fait j'ai mis toutes mes notes de côté, quasiment à la poubelle, et je suis parti sur, en me disant, bon voilà, en fait, qu'est-ce qui te reste? Là, si t'es tout seul avec une feuille blanche, qu'est-ce qui stresse comme sentiment, comme sensation de ces tonnes de notes qui en fait te servent à rien? Là, je vois que ça me sert à rien et ça m'empêche en fait d'aller chercher ce que j'ai envie de chercher. Donc, ouais, j'ai mis le chercheur, je sais pas, dans la penderie mais il fallait aller chercher autre chose. Et puis après, c'est le texte, son rythme qui... Et en fait, après, du coup, le travail de la mémoire, parce qu'en fait, c'est un livre sur l'histoire, mais aussi sur la question de la mémoire. Et la mémoire, c'est une dimension forcément très subjective. Et d'une certaine manière, quand vous faites un travail de recherche, vous avez envie enfin, vous notez le plus de choses possible pour essayer de pas trop perdre de choses en cours de route. Et là, en fait, il fallait que j'accepte de perdre énormément de choses pour voir ce qui allait ressurgir, et en faisant confiance à ma sensibilité, et en me disant que ce qui allait réémerger, ce serait ce sur quoi il faudrait travailler en fait. Un petit exemple. Les mots sont du matériau, vous dit en sciences sociales. Et moi, j'ai toujours entendu ça plutôt du côté de la poésie ou des ateliers d'écriture. Et c'est drôle, c'est certainement une autre reconfiguration des mots comme matériaux aussi. Et même du mot matériau, si on va par là, si je voulais. Mais j'en lis un petit exemple, pas long, hein, mais pour que vous entendiez ça aussi. Le beat devient vite nécessaire. Sadio gère tout ce qui sort de l'enceinte et les basses font ventilo. Ambiance gangsta vocodeur, la street est dans la place. Quelques vincho. Je le dis comme je peux, parce que là, on est sur du vietnamien, je pense. Passe à vélo, admirer les avancées. La star, c'est l'ouvrier. C'est relou, les autographes, quand tu ponces. Monsieur, vous pouvez pas dire au petit d'arrêter? Je fais des tâches, c'est dégueulasse. Il faudra composer avec le bal des étonnés. Vincho ne fait pas relâche. Le jour d'après, un petit groupe de collégiens munis de masques et de gants se met à astiquer avec nous la ferronnerie. Bang avait déjà sauté le pas, mais ça ne compte pas. Il fait partie du crew. Les précautions locales tranchent avec nos mouvements appuyés. Encore plus lent, c'est pas possible. Mais entre Paul Éluard et Vincho, l'essentiel se joue downbeat, dans l'étirement de pause de plus en plus fréquente. En appliquant la seconde couche, je tangue doucement à l'écoute de la langue de Bang. Le phrasé monosyllabique m'évoque un certain goût pour l'incapacité manuelle. J'entends mon père esquiver en vietnamien. À la maison, c'était ni clou ni vis. J'ai lu 2/3 de page. Et donc, on est au cœur de ce que dans mes notes, je nommais les passages un peu Babel. Parce qu'il y a plusieurs langues, hein, qui sont là. Ce dont vous nous parliez depuis tout à l'heure. Donc, je voulais en redonner un exemple de ça. Mais ce n'est pas seulement les langues qui résonnent. C'est les époques, les flux de conscience, pour citer presque Virginia Woolf. Mais on est dans l'exercice manuel, on a les sonorités qui s'affrontent, et puis vous revient à ce moment-là, surgit le souvenir du père. Et ça, c'est en une demi-page du livre. Hein. Quand je parlais de densité tout à l'heure, c'est également ça. C'était pour illustrer cette question des langues. Ouais. Parce que, et ça, c'est un moment où on est en train de repeindre une école, en fait. Parce que du coup, pour que ce soit
clair sur ce qui, voilà, c'est, on, en fait on est dans une petite ville qui s'appelle Vinchot et pendant 3 jours on a repeint l'école et voilà, ces flux de conscience sont arrivés pendant qu'on grattait, ponçait, peignait. Et donc la question, comment formuler ça en question, ce travail sur la langue qui est partout, hein, j'aurais pu parler du néologisme autour de Heingen qui devient un mot valise, etc. Mais c'est vraiment très récurrent, c'est à de nombreuses pages, c'est conscientisé et c'est dans le flux. De là, une question, de cet exemple concret, une question plus générale, hein, pour en revenir aux chercheurs, mais du côté de la langue. Comment ils cohabitent en vous, les deux écrivains, pour ne pas dire écrivain à chaque fois, aussi bien en termes de concret, c'est-à-dire ce chantier-là, vous l'avez mené en parallèle, dans des heures creuses, est-ce que vous pouvez faire ça le soir et de l'écriture plus technique le midi, qu'est-ce que ça a bougé à cet endroit-là aussi, dans la pratique même? Oui, donc là, c'est vraiment sur la question de l'atelier, comment on fait. Oui, parce que c'est vraiment très, très différent. C'est-à-dire que là, l'idée aussi de ce travail sur la langue, c'est de se laisser... Enfin, c'est un jeu, en fait. C'est de se laisser prendre... par la langue et d'avoir envie de jouer avec. Et en fait, quand on est dans un travail de recherche, on peut pas trop en fait se permettre de jouer avec la langue. Alors quand je dis ça, ça veut dire c'est-à-dire que si vous voulez jouer jusqu'au bout, ce qui compte le plus, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu pour le jeu qui vous emmène quelque part. Quand vous êtes sur une enquête ethnographique, le rapport avec le réel, il n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous laissez trop prendre par la langue, ça risque d'être au détriment, en fait, de l'enquête, de ce que vous voulez montrer, démontrer, prouver aussi. On est dans un registre scientifique. Puisque vous êtes dans un registre scientifique aussi, dans l'écriture en sciences sociales, même si vous pouvez écrire de manière... accessible, entre guillemets, etc. Mais on est dans un espace où vous discutez aussi d'autres travaux, d'autres thèses, d'autres théories. Ça fait partie, en fait, de cet espace-là. Donc, tout ça, ça produit un rapport à la langue qui est un petit peu bâtard, entre guillemets, mais qui... C'est l'espace épistémologique des sciences sociales hein, qui est vraiment... C'est quand on fait de la sociologie, on a ce rapport à la langue-là qui est d'une certaine manière bâtard et ça, il faut l'assumer. Mais par rapport à aller au bout du jeu, pour moi, il faut vraiment que ce soit deux espaces différents. Parce qu'en fait, si je joue trop... Quand je fais une enquête, là, en gros, je commence à faire le malin. Et si je fais le malin, c'est au détriment, en fait, du réel et aussi de ce qui se joue dans une relation de confiance, dans une relation ethnographique. Parce que là, en fait, on est dans la littérature aussi. C'est énormément basé sur des choses réelles, mais je passe aussi par la fiction, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a des éléments qui sont... et donc, du coup, ça me permet d'avoir un rapport au réel qui est différent. Alors, après, il y a la question de la vérité, de la véridicité, etc. Ça, je pense qu'on peut toucher des formes de vérité de manière très puissante avec la littérature. C'est des formes tout à fait différentes pour essayer de toucher des choses par rapport à l'expérience humaine. Mais ce sont des endroits très, très différents. Alors, sur la cohabitation, comment on fait, il faut dire qu'avant que je sois sociologue, chercheur, etc., j'ai eu une autre vie, j'ai eu une carrière musicale, et donc j'étais dans un groupe de rock, donc on a eu une petite carrière, etc., j'écrivais les textes, je chantais, c'était du hardcore metal, donc je chantais, rappais, hurlais, etc., mais je jouais beaucoup avec les mots, quoi, et donc on partait en tournée, on faisait des albums, etc. Donc, et ça, je crois que ça m'a manqué pendant un moment. Donc, j'imagine que ça. Enfin, on me le dit souvent. C'est comme si je revenais un petit peu à des choses que j'avais pratiquées en fait avant. Et puis, oui, pour moi, l'idée c'était d'explorer deux choses très différentes, mais qui sont reliées. Alors évidemment, on fait pas ça dans le. Moi, je pense que sur ce texte-là, j'ai eu un effet, de contre-coup. C'est-à-dire, j'ai écrit ce texte-là juste après avoir écrit quelque chose de très universitaire, ce qui s'appelle une HDR, c'est une habilitation pour diriger les recherches. Donc
c'est comme une sorte de thèse après avoir fait une thèse, quoi, en gros. Et donc, là, c'est une écriture voilà, très académique, très, voilà, où vous êtes sur des débats académiques. Et donc, j'avais fait cet exercice d'écrire et de soutenir mon HDR. C'était à la fois, enfin voilà, ça m'a beaucoup intéressé de le faire. J'ai pu aller au fond de plein de questions, mais ça m'avait aussi un petit peu, asséché, en tout cas, par rapport à certaines. Donc, par contre-coup, j'ai eu besoin de faire autre chose avec la langue que d'être dans un discours très construit, argumenté, rationnel, où vous inscrivez aussi. Voilà, dans un paysage intellectuel, etc. Donc, par à coup. Et puis moi, je pense que c'est que voilà, la pratique de l'un nourrit l'autre, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je vis, parce que c'est des activités très différentes. Je fais des films aussi. J'ai co-réalisé un film en 2019. Je travaille aussi sur un autre film. Enfin, moi, j'aime bien ces idées de correspondance, de faire des choses très différentes, de savoir aussi en quoi elles sont différentes. L'idée, c'est que ce soit pas qu'on croit pas tout faire en même temps. Ça, je pense que c'est un problème, mais de parce que du coup ça quand on va dans un endroit, et ben ça nourrit les frustrations, et les frustrations ça provoque du désir, et donc le désir ça donne de l'énergie. Et voilà, moi je fonctionne beaucoup comme ça, quoi. Et là, dans ce texte aussi, enfin, il y a beaucoup quelque chose qui est lié à l'énergie de la langue, en fait. Et pour moi, revisiter toute cette histoire coloniale et cette histoire personnelle avec cette forme d'énergie, je trouve que ça permettait de lui donner une plus grande vérité. Je pense aussi d'un point de vue littéraire. On est à quelques minutes de la fin et j'en ai encore des questions, mais je me les garde. Parce que je vous donne la parole aussi. Peut-être en avez-vous une ou l'autre question, alors aussi bien sur toute la polyphonie de ce texte, c'est-à-dire que ça peut être une question à propos des faits, comme à propos de la langue et comme à propos du projet, en l'occurrence littéraire de La taille des arbres. Deux questions. Madame aussi au premier rang après. Bonjour. Je m'interrogeais de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de revenir sur les deux voyages et de ne pas vous concentrer sur le voyage vietnamien où il y avait une dimension personnelle très forte. Et est-ce que vous en avez parlé avec votre éditeur ou est-ce que ça a été une évidence pour vous comme pour l'éditeur aussi ? Merci pour cette question sur les correspondances. En fait, ça a été une évidence pour moi assez vite. Alors déjà, il y avait l'envie purement l'envie. C'est-à-dire que ces deux voyages avaient été, ils sont très différents évidemment, mais ils avaient été forts les deux. Et donc au départ, j'avais envie d'écrire sur les deux. Enfin, c'est aussi simple que ça. Au départ, je pensais même pas à l'objet du livre. Je pensais j'ai envie d'écrire là-dessus, d'aller explorer ce que. Donc au début, on est dans un peu comme dans un atelier. C'est-à-dire, j'écrivais. Pour revenir sur les coulisses, un jour, je faisais le Vietnam, un jour la Nouvelle-Calédonie, puis je trouvais ça m'aidait en fait de passer une journée sur la Nouvelle-Calédonie, ça m'aidait à être mieux dans le Vietnam et inversement. Donc au départ, c'était vraiment j'avais pas d'objet en tête, mais c'était important de faire les deux. Après, il se trouve aussi, je vais pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais il y a aussi des liens, parce qu'on parle souvent aussi, je dis qu'on compartimente les choses, mais en Nouvelle-Calédonie, il y a une présence vietnamienne aussi, ces histoires coloniales, elles sont aussi très entremêlées, donc il y a aussi des liens, historiques entre ces deux territoires. Et puis, plus on avance dans le temps, il me semble que la question de savoir... est-ce qu'on est en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on est au Vietnam ? Ça compte de moins en moins. Alors, ça compte de moins en moins parce qu'on connaît les personnages, ça compte de moins en moins parce qu'on va vers le cœur et le corps, en fait, de ce qui se joue dans les expériences qu'on a vécues dans ces pays-là. Et ce n'est pas
qu'une histoire vietnamienne ou une histoire calédonienne. Et donc, au bout d'un moment, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a tout ça, ça marche ensemble, en fait, et ça s'auto-nourrit. Et donc, il m'a semblé que ça marchait assez vite ensemble, quoi. Mais ça s'est imposé un peu de manière physique. Enfin, je ne l'ai pas intellectualisé. Hein. Madame ? Bonjour, merci pour votre intervention qui était très intéressante. Vous avez parlé de polyphonie. Effectivement, il y a plusieurs voix, on a l'impression, dans votre texte, à partir du texte que vous avez lu, à partir du texte que votre intervieweur a lu. Et je me demandais la place de l'oral dans ce texte. Là aussi... oui, je pense qu'elle est très importante, mais vu que c'est un texte, tout ce qui est resté dans le texte, c'est ce qui, à mon sens, reste en tant qu'écrit. Mais effectivement, et d'ailleurs, de passer par le jeu permet assez aisément de jouer entre des formes alors supposées d'oralité, parce que du coup, j'insiste sur supposé. Et c'était très important aussi cette question poétique, il y a un peu quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, qui était très important pour moi, en fait. Je vous ai dit que j'écrivais des chansons avant, il y a beaucoup de jeux aussi sur l'allitération, mais aussi parce que moi, c'est mon appréhension de la langue vietnamienne. Pour moi, la langue vietnamienne, c'est de la musique, en fait. J'arrive pas à la parler, mais je l'entends, en fait, comme de la musique. Pareil, le rythme, même par exemple, quand les Kanaks nous parlaient en français, le simple rythme des mots, et ça s'entend, c'est oral, mais en même temps, on peut le travailler dans un texte écrit, était très important. Donc oui, c'était excessivement important. D'ailleurs, je vous ai parlé des coutumes qu'on faisait, pourquoi on faisait ces coutumes le soir au Vietnam, parce que on avait besoin de poser des mots sur ce qu'on vivait tous les soirs, mais si on les avait posés à l'écrit, on aurait perdu 95% de ce qui comptait, en fait. Il fallait que ça... Voilà, que ce soit... Et donc, j'ai essayé aussi, d'une certaine manière, dans le texte, d'être fidèle à cette énergie-là, à ce souvenir-là. Et donc, ça passe par une forme d'oralité. Mais je pense qu'après, la distinction qu'on fait entre l'oral et l'écrit, c'est parfois assez surfait. Et je pense que c'est l'intérêt, justement, de la littérature, de questionner ces frontières-là. Merci. Merci à madame d'avoir posé une question qui était sur ma fiche et que je n'avais pas eu le temps de poser. On est donc d'accord. Donc, c'est bien pratique. Je vous remercie. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'en 2 minutes, puisque vous avez fait 2 allusions, et ce serait bien d'en dire quelque chose du titre, Les arbres. Alors, on n'a plus que 2 minutes. Est-ce que c'est possible en 2 minutes de parler de ce titre, de son mystère, de son ambiguïté aussi? Parce que, voilà, rien qu'en lisant la taille des arbres, ça peut être leur dimension, ça peut être aussi coupé, les arbres, hein, comme vous l'avez évoqué. Mais j'en dis pas plus. Oui, de toute façon, un titre, il est fait pour être approprié comme on veut. Mais il y avait deux dimensions importantes pour moi. Alors, la taille, évidemment, on peut lire la hauteur. Et ce qui est très beau dans la question des arbres, me semble-t-il, sur toutes ces questions d'identité, d'histoire, d'identification, ce sont des... comme je l'écris, hein, les arbres nous dominent, mais jamais ne se moquent. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, quand on domine un peu la situation, on a tendance à mépriser ou à rabaisser. Et là, vous avez ces espèces de créatures qui sont très ancrées dans le sol. La question des racines est hyper importante, de la mémoire, de savoir d'où on vient. Mais ce sont des racines qui ne sont pas figées, hein, qui justement, elles sont tout le temps vivantes, elles communiquent, elles continuent de pousser. Donc on n'est pas dans ces espèces de caricatures de racines dont on... Voilà, je ne fais pas le tableau. Donc il y avait ces racines et aussi l'arbre cherche à aller le plus loin possible. Donc il regarde vers le ciel, il est très ancré, il regarde vers le ciel. Et sur cette question de savoir d'où on vient, des rêves, c'était une grande leçon pour nous parce qu'on a aussi grandi à travers les arbres. Il y a plein d'arbres, en fait, qui, sur la question aussi, sur le lien entre les voyages, il y a des arbres qu'on a retrouvés dans les 2 voyages et qui font aussi ces effets de correspondance. Donc, il y a cette dimension-là, la hauteur, mais ce n'est pas que la hauteur, c'est aussi l'ancrage dans le sol et dans la boue. Et puis aussi la taille au sens
Là, c'est le côté peut-être sur la transmission, sur l'éducation, sur le fait que voilà, on est toujours taillé, coupé, transformé, fabriqué, et que un arbre il pousse aussi parce qu'il est comment dire transformé et qu'il y a des mains en fait aussi derrière les derrière voilà l'histoire, les choses. Donc il y avait ces deux dimensions taillé, coupé, avec une ambiguïté dans la taille des arbres d'ailleurs. Est-ce que quand on pense à taille des arbres, on peut penser à la fois à une certaine forme de violence, la mutilation, mais aussi à une certaine forme de douceur. On peut penser voilà, aux tailles très précises dans certaines cultures où voilà, il y a des arbres qui ne survivent que parce qu'ils sont excessivement bien taillés. Donc il y a aussi cette ambiguïté. Donc c'était un petit peu toute cette dimension. Puis pour terminer avec les arbres, c'est aussi en fait une rencontre avec... avec le vert, avec la nature, avec parce que nous, Paul et Loire, nous sommes aussi les enfants du béton, quoi. Et bon, là, on découvre aussi autre chose. Il est l'heure. Merci, on vous aurait bien écouté encore. J'avais encore d'autres questions qui venaient. J'imagine que je ne suis pas le seul. Merci beaucoup, Fabien. Merci de votre attention. Il y a une rencontre qui va démarrer pas loin, mais il y a aussi Fabien que vous pouvez retrouver à la table de dédicace parce que vous pouvez en avoir encore d'autres. Vous-même, des questions, je vous le laisse. Je laisse entre vos mains. Emparez-vous du livre et de l'auteur. Merci beaucoup de ce livre et puis de vos réponses. Merci. Bon après-midi.